sont tous ceux qui sont plus extrémistes de l'intérieur. Et tu ne peux pas le savoir. Quand la guerre a éclaté, que ce soit en 1998, oui, ça. La Belgique a lancé un mandat contre Yoni, qui l'aurait injurié. Mais on n'a pas lancé le mandat d'arrêt contre ceux qui ont tué. Vous me suivez? Oui. Oui. Comparer les tueries et les injures, qui mérite de dire? Toi, tu as tué 1000, 2000 fois de personnes. Et moi, j'ai injurié deux fois. Qui est condamnant? C'est ça l'injustice morale que j'ai subie. Pendant la guerre mondiale, la première comme la deuxième, les livres ont été écrits. Je discute avec certains blancs. Nous aussi, la guerre des massacres, perpétuée dans toute la zone. On ne veut pas qu'on en parle. Mais on devait écrire des livres sur ça. Et l'Allemagne a été divisée en deux pendant plus de 45 ans. Mais il y a eu des moments où on abolissait les mêmes. Donc, toutes les atrocités qui se sont passées ici chez nous, il faudra que les gens se lavent, comme je dis, il faut se laver. Et ceux qui ont tué demandent pardon. Et qu'on le vive comme avant. Et chacun s'est donné. Moi, j'ai parlé de Maïmaï dans l'église des bassins d'Orfeu. Combien de bandits il y a dans les Maïmaï? Nombreux, plusieurs. On dépouille même les cadavres. Ils viennent de Bouton. On prend les habits des cadavres. On amène, on monte avec dans les montagnes. Les couverts de route, combien de véhicules pour qu'à vous dire ont été pillés par qui? La plupart des cas, c'est des Maïmaï qui invitent les Burundais à venir les aider à opérer. C'est le son de Mme Marie. Mais c'est Maïmaï. J'ai discuté avec le président, j'ai même interrompu la campagne pour aller donner ma contribution sur l'ordonnance de Ouazadeno. Et puis je suis revenu. Mais ça sera déjà, ça sera encore. Demain, ça sera encore. Et nous voulons en faire la future armée de la République démocratique du Congo. Quel est le motif? Le motif est qu'un pays qui n'est pas protégé, il ne peut pas survivre. Il ne peut pas survivre. Moi, j'ai des cousins, des oncles canadiens d'origine congolaise. Ce n'est pas la nationalité qui fait tuer les gens ici. Non, chacun peut devenir congolais comme il le veut. Mais alors se comporter en bon congolais. Quel est ce citoyen qui va aller dans les parcs des Aix pendant 4 fois? Il quitte les parcs des Aix, il fait la rébellion. On brasse, il est venu au parc des Aix. Dernier tour, il fait la rébellion. On ramène, il remet encore à la rébellion. C'est quoi ça? Maintenant, quand j'en parle, il y en a qui sont blessés. Et là, je m'excuse. Je ne suis pas extrémiste, je suis un des hommes de paix. Mais je suis comme Mandela. Je suis comme lui. Parce que sous l'apartheid, en Afrique du Sud, c'est Mandela qui s'est levé contre l'apartheid. Mais quand il est devenu président, son vice-président c'est qui? C'est un blanc. C'est un blanc. Et sincèrement, les gens qui me connaissent, avec moi, ils savent que je ne suis pas haineux, mais seulement je suis le seul qui peut dire haut la vérité et tout le monde pense bas. Le seul. Même devant la mort, je vais dire la vérité. J'ai dit. Quand vous voyez moi, il y a des gens. En dehors de tout que ça a commencé cette histoire de l'Union européenne, je ne manque absolument de jamais. Je ne peux pas me dire. J'avais un jour et deux. C'est du mal à comprendre. Ils sont venus chez moi à la maison. Moi, je mange du Saint-Dimata parce que le Saint-Dimata a étudié dans ma famille. Est-ce que vous connaissez la vérité? Il y a des chez vous, je peux boire une bière. Je ne sais pas que tu autorises une bière.
Alors maintenant, pasteur, c'est ça votre obligation spirituelle, c'est de nous aider à rassembler des esprits pour qu'on regarde tous dans la même direction. Extrémiste, on peut me dire, j'ai déjà tué combien de gens. Même pas une souris. La parole de Dieu est sensible. Non. Je dis même pas une. Moi, je suis commandé dans ma maison. Je fais déjà la compter des similitudes avec mon Dieu. Il a porté du souris à 200. Moi, j'ai porté à l'époque. C'est pour diriger les vaches. Moi aussi, j'ai gardé les vaches. Il est né dans une cage en paille. Moi aussi, je suis né dans une cage en paille. Ma vie et la vie de Mandela, nous avons partagé notre vie avec les Angolais et les souris. Dans nos cases. Les souris pouvaient même venir de l'intérieur. Comment dire? Déroger les pieds. Puis quand tu vas dans la rosée, tu sens quelque chose en train de bouger, la souris va roger. C'est ça notre vie. Et Mandela a été arrêté le 5 août 1952 pour s'appeler le roi. Moi, le 5 août 1987. Le 11 février, il est libéré. J'étais en prison à Bukongo, je suis libéré le même jour. Wow. Je suis né le 5 décembre 1960. Mon dernier est mort le 5 décembre 2014. Mais Mandela était le plus extrémiste de tous les Sud-Africains face à l'apartheid. Maintenant, moi aussi, face au massacre, face au tuer, je suis très extrémiste. Mais les jours où on va se demander pardon, je serai le premier à dire, rentrons dans la maison du Seigneur. Merci beaucoup. On va sauter, on va danser avant de réveiller les prédicateurs qui vont nous bénir aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellence. Merci à vous pour vous. Merci beaucoup.